Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info People. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler du film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Et oui, quand on regarde ce film, on a l'impression que tout le monde, que tout va bien, que les acteurs s'amusent très très bien. Et c'est un film d'ailleurs très agréable à regarder. Et pourtant, ça a été l'inverse. Ça a été un cauchemar pour les acteurs, pour Christian Clavier, pour Chantal Lobry. Ça a été un cauchemar à tourner. Et pour cause, lors du tournage, ils ont vécu un véritable drame. Ils avaient trois collaborateurs. À ce moment-là, ils sont occupés à tourner les scènes. Leurs amis, les collaborateurs, partent en voiture mais ne reviendront jamais. Ils vont se tuer sur la route. Il va y avoir trois morts. Il va y avoir Morvan, qui a 19 ans. Il va y avoir Milo, qui a lui 47 ans. Il va y avoir Hervé, qui va décéder aussi. Il a alors 49 ans. Ça va être un choc pour les acteurs. Ils ne s'y attendent pas. Et oui, comme ça, du jour au lendemain, ils perdent trois de leurs collaborateurs très précieux. Christian Clavier ne parlera pas de cet épisode du tournage. Il se confiera seulement une fois sur ce qui s'est passé et sa façon dont il a ressenti les choses. Il expliquera que ça a été un moment très très compliqué. Comme il dit, devoir s'amuser sur le tournage d'un film alors qu'on est occupé à vivre un véritable drame a été très très difficile. Le tournage a été très compliqué, comme il dit, ça a été un peu le calvaire. Chantal Lobry, quant à elle, va s'exprimer aussi sur son ressenti à ce moment-là. Elle dira qu'elle en a gardé une torpeur. Pour elle, le tournage a été très très compliqué, elle a été complètement traumatisée. Mais comme elle le dit, il fallait que le film se fasse, ils étaient obligés de le faire, ils l'ont donc fait jusqu'au bout. Forcément, ce sont des grands acteurs, quand on regarde le film, rien ne paraît à l'écran. Ils sont comme d'habitude, ils nous donnent le sourire comme d'habitude. Néanmoins, tous les deux diront que c'était parce qu'ils étaient entourés d'une super équipe. Le seul souci, comme ils disent, c'est que leurs amis décédés, leurs collaborateurs, ne verront jamais à quoi aurait ressemblé le film. Moi, je vous reviens très très vite avec d'autres infos. Bisous à tous.